Belgique, que se passe-t-il vraiment en matière d'éducation au développement durable Je vais essayer de vous situer d'abord le contexte parce qu'il est un peu compliqué en Belgique. Euh, nous avons donc euh, plusieurs régions la région flamande, la région wallonne, la région bruxelloise et la région germanophone. germanophone pardon. Et donc euh, là, euh, euh, nous avons euh, regroupé les pouvoirs organisateurs des éducations en fonction de ces régions. Et euh, je vais vous parler de la fédération Wallonie-Bruxelles, qui fédère à la fois euh, les deux espaces francophones, bruxellois et Allons. Alors, euh, comment ça fonctionne Il y a déjà deux ministères dans cette fédération à Bruxelles. Un ministère qui s'occupe euh, du primaire fondamental et du secondaire et un autre ministère qui s'occupe essentiellement plutôt de la formation d'enseignants et de la recherche, c'est-à-dire de l'enseignement supérieur. Euh, donc, euh, ils ont chacun élaboré des décrets qui organisent notre enseignement. Euh, cet enseignement, donc, euh, euh, est dispensé euh, généralement en discipline, euh, comme, euh, comme dans beaucoup d'autres euh, pays européens, euh, et euh, ces décrets nous donnent quand même des lignes directrices, des injonctions, concernant euh, bah, les objectifs tout simplement de notre enseignement. Dans ces objectifs généraux, on trouve déjà euh, l'éducation à la citoyenneté responsable, euh, on trouve l'émancipation des étudiants, la confiance en soi, euh, euh, faire des, des, des étudiants qui soient euh, des, des citoyens responsables de leur société eux-mêmes et, et qui seront capables de prendre une vie active dans cette société euh, sociale, économique, euh, par, la, par le futur de, 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 de l'enseignement qu'ils vont recevoir. Et l'appropriation de savoirs et de compétences pour permettre de faire tout ça. Alors ça, c'est les objectifs généraux. Alors, est-ce que le développement durable en tant que tel se trouve dans ces textes Eh bien, non. Donc, il euh, n'y a pas un prescrit euh, vraiment clair, mais euh, c'est les axes du développement durable qui peuvent éventuellement déjà s'y trouver. Et donc, euh, même si nos, nos pouvoirs organisateurs ont, ont signé tout ce qui était grande déclaration onusienne, euh, la décennie de, euh, de l'éducation développement durable de l'UNESCO. Tout ça, ça, ça a été signé, ratifié. Euh, la mise en place, ça a été beaucoup plus lent euh, et beaucoup plus long. Donc, on a d'abord pris le temps de faire un état des lieux de ce qui se faisait déjà. Et c'est clair que quand je dis le mot environnement, écologie, euh, promotion de la santé, tout ça se trouve déjà dans les programmes, dans les textes, dans euh, euh, les points de, de chaque discipline. Alors, ça ne se trouve pas pour ou à l'intérieur de chaque discipline justement, mais chaque discipline va faire sa, sa part du boulot entre guillemets. Ça c'est ce qui se passait en tout cas euh, avant qu'on commence à, à, à développer, euh, je crois que c'est plus ou moins en 2004 le décret mission où on a euh, défini vraiment que les écoles euh, primaires et secondaires devaient développer des projets d'école qui tournent autour de l'environnement, qui tournent autour euh, de la santé, de la citoyenneté responsable. Euh, donc ça, euh, ça ça veut dire que les enseignants ont quand même eu un prescrit qui se le sont appropriés et ils ont des, commencé à développer, donc c'est les acteurs de terrain en fait qui ont commencé à développer différents projets et le DD est arrivé euh, progressivement au travers de ça parce que les enseignants ils savent qu'en fait ils pratiquent ou ils veulent pratiquer une, une éducation de sens, euh, plutôt éducation globale. Euh, alors, tout le monde ne le fait pas, bien entendu, mais quand même beaucoup d'équipes se sont mises à développer, y compris des, des écoles euh, éco structurées. C'est notamment le cas euh, du, du RSI de Penne qui a développé les cahiers du développement durable pour une école technique euh, et professionnelle du secondaire. Euh, à partir de, des outils qui ont été créés par des enseignants et qui ont été diffusés euh, par des enseignants et pour des enseignants, euh, ben, ces cahiers du développement durable sont devenus un outil euh, vraiment indispensable, y compris en formation initiale d'enseignants. Donc, euh, l'EDD est déjà présent dans, ce, dans les pratiques et ça a eu un espèce d'effet bottom-up qui fait que les, les inspecteurs, etc., se sont dit qu'il faut qu'on investigue un petit peu sur ce qui se fait réellement, euh, donc en éducation à l'environnement et euh, en matière de développement durable. Alors, j'associe les deux parce qu'en fait, on ne les a pas dissociés en Belgique. Euh, donc, dans les, euh, dans, en 2014, est sortie une petite brochure faite par l'inspection euh, suite aux résultats des enquêtes qu'ils ont menées, assez positive, disant que 75% des établissements euh, pratiquaient déjà euh, des projets de ce type. Et euh, donc, ça, c'est relativement positif, avec l'appui de la direction, avec les équipes. Euh, et c'est. Euh, euh, ces, ces, ces petites, euh, je vais dire, euh, pratiques ont été mises en, en relation avec l'extérieur de l'école, avec les associations, les classes de dépaysement, les classes vertes. Ça se pratiquait déjà avant ce qu'on appelait l'ERE, donc l'éducation relative à l'environnement. Et donc ils n'ont pas voulu les dissocier. Et ils ont dit effectivement, euh, ben nous on va faire de l'ERE-DD. Donc la brochure de l'inspection, c'est euh, intitulé comme ça, c'est "Développons l'ERE-DD, euh, l'éducation relative à l'environnement associée au". Développement durable ou plus intégré. Ce qui manque quand même toujours, c'est cette espèce d'aspect systémique que peut apporter euh, euh, le, le développement durable parce qu'il manque parfois de, de temps de coordination. Euh, c'est particulièrement vrai, en tout cas, pour euh, les écoles secondaires, qui sont toujours disciplinaires. c'est toujours euh, vrai également pour l'enseignement, le, euh, la formation initiale, où euh, on n'a pas euh, réellement, où on n'a plus, en tout cas, suffisamment d'espace-temps pour pouvoir coordonner ce type de projet. donc, avant, il y a deux ans environ, on faisait toujours, euh, euh, dans la formation initiale, euh, des projets d'une semaine, euh, liés souvent avec euh, les besoins que les étudiants exprimaient. Donc cet aspect participatif des étudiants est important dans l'éducation au développement durable, où on les mettait en action et où on faisait des projets, des voyages, des sorties de terrain, etc. Tout cet espace-temps est en train de se réduire malheureusement depuis une réforme... Du paysage de l'enseignement supérieur, où on a changé les calendriers pour s'aligner plus sur ce qui se, se faisait au niveau universitaire, parce que chez nous, les hautes écoles, ce euh, la formation d'enseignants, en tout cas euh, maternelle, primaire et secondaire, se fait dans nos hautes écoles. Et euh, donc, euh, c'est là que, que se, 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 se passent réellement les choses. Et on n'a pas euh, cette, euh, euh, cet espace-temps pour se coordonner. Euh, donc, euh, ce qu'on faisait avant, on ne sait plus le faire. On avait à peu près un mois de projet sur les trois années de formation, une semaine par année. Euh, on, on faisait généralement la découverte du quartier en, en première année, la découverte d'une région en deuxième année, et puis on allait un peu plus loin, y compris parfois dans des projets solidaires, au Togo, au Burkina Faso, en troisième année. Ben, tout ça ne peut plus se faire. On, on a réduit tous ces projets à environ quatre jours de liberté euh, dans, dans les programmes étudiants. Donc de notre liberté pédagogique ancienne, il reste de moins en moins. On, on a structuré un enseignement en UE active. D'apprentissage, où malheureusement les, les contenus disciplinaires ont diminué aussi fortement pour euh, prendre plus de, des tâches administratives. Et euh, donc, c est, c est, ça, c'est une petite régression en, en matière de, de l'enseignement supérieur pour ce qui est des espaces de projet, de formation au projet. Euh, voilà, je vais conclure en disant euh, que donc de l'éducation développement durable, euh, le prescrit n'est pas euh, toujours euh, suffisant, mais il légitime en tout cas les pratiques qui se font. Donc euh, ça, ce serait quand même bien qu'il y ait un effet top down, qui est quand même une, quelque chose qui soit euh, euh, mis clairement en place par, euh, par le ministère. Euh, par contre, euh, bah, les pratiques existant déjà, donc le, le bottom up fait aussi quelque chose de, de positif en Belgique. Il y a eu beaucoup de choses qui se font, y compris la création d'outils, euh, on allie maintenant tout ce qui est euh, citoyenneté mondiale euh, à tout ce qui est environnemental. Euh, donc, euh, ça commence à, à se faire, mais euh, l'espace de coordination, malheureusement, euh, manque toujours pour pouvoir faire un peu plus systémique. Voilà un petit peu ma, ma conclusion. Donc, il y a déjà des pratiques. Tout va dépendre, évidemment, des acteurs eux-mêmes, de ce qu'ils se sont appropriés. Et euh, voilà, c'est vraiment quelque chose d'important de, de dire que ça. Il peut y avoir n'importe quel prescrit qui légitimise un petit peu les pratiques, c'est quand même les enseignants qui font cette éducation au développement durable avec surtout les étudiants, avec les besoins des étudiants. Il faut des temps de parole, il faut des temps de concertation qui manquent pour avoir cet aspect systémique.